Eh bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour le peut-être épisode 37 sur Days Gone. Évidemment, comme d'habitude, 2K, 60 FPS, un petit truc à boire à manger, ça fait toujours plaisir, installez-vous confortablement. Je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode, mais je rencontre un très gros souci avec le jeu. Ça sera peut-être le dernier épisode, alors que je sais qu'on est très très proche de la fin. Ça sera peut-être le dernier épisode, je vais vous expliquer dès qu'on se retrouve dans le No Man's Land. Je vous dis donc à tout de suite. Allez, re tout le monde, on doit donc trouver le lecteur MP3 de Weaver. Souvenez-vous, un monsieur est mélancolique dans sa grotte, il a donc besoin d'un petit peu de musique. Et c'est là qu'on commence à aborder quelque chose qui commence à m'irriter et à me gêner énormément. Alors, si vous ne le savez pas, je suis heureux de vous apprendre qu'on est à la fin du jeu, littéralement, d'accord? Une heure et demie, allez, maximum deux heures, c'est bouclé, on va laisser peser, on n'en parle plus, d'accord? Et on doit retrouver, en cette fin de jeu, un putain d'MP3. Si on n'a pas retrouvé ce MP3, l'histoire ne peut pas continuer, hein, on est bien d'accord. Je vous la refais, on doit trouver un lecteur MP3. Sinon, on ne peut pas continuer dans le jeu, d'accord? C'est donc un prétexte à allonger évidemment la durée de vie de cette histoire, qui est quand même bien sympa, il faut l'admettre, hein, on va pas cracher sur le jeu maintenant. Il a toujours ses grandes qualités, mais il a aussi toujours ses défauts. Mais là, ce défaut a tendance à me titiller, pourquoi? Bah parce que on est à la fin du jeu, et sous prétexte d'allonger la durée de vie, il faut donc que je trouve un MP3, hein, je l'ai déjà dit 2-3 fois, n'est-ce pas? Et ce MP3, il est dans une horde. En gros, pour allonger la durée de vie, on doit enchaîner les hordes. Et là, ça commence à m'énerver. Pourquoi? Parce que les hordes, ça m'intéresse pas spécialement, c'est sympa, on en a fait quelques-unes, d'accord, on a bien galéré et tout. Mais maintenant, on doit faire toutes les hordes. Voilà, toutes les dernières hordes, sinon on ne peut pas continuer dans le jeu. Et je trouve que c'est une excuse un peu trop facile, et ça a tendance à me bloquer. Merde. Parce que bah je galère, hein, les hordes, fallait s'y attendre. Voilà, j'ai pas acheté le jeu pour la horde, alors là vous allez me dire, bah B-Boy, attends, je comprends pas, c'était où là? Bah, j'étais en train d'essayer de faire les hordes, voilà pourquoi vous avez pas eu cet épisode plus vite, et je n'ai pas réussi, donc j'ai envie de vous dire, écoutez, je vais essayer de faire la horde, et on se retrouve quand elle est faite, et puis que Dieu me protège, parce que j'aurai pas assez de munitions comme d'habitude. Voilà, ça c'est déjà une race, hein, que je prends. Ok, donc on va essayer de se concentrer. Mais vous commencez un petit peu, je pense, à comprendre d'où vient le problème. Voilà, je prends des petites calottes gratuites encore. Et vu que bah j'ai fait très peu de quêtes secondaires, parce que bah ça m'intéresse pas, on va pas se mentir, les quêtes secondaires dans le jeu sont clairement pas passionnantes, et bah je n'ai pas le niveau. Voilà. Et je n'ai pas les mécaniques non plus. Et c'est là où ça devient un petit peu plus problématique. Et voilà. Ok. Presque à court. La vache. Bon. Allez, on va faire la horde à l'ancienne. C'est-à-dire petit à petit. Et puis j'ai envie de vous dire que Dieu nous protège. Parce que ça risque d'être un petit peu complicado tout ça. Allez, venez les gars. Alors, aïe! Bon, c'est là qu'on va rencontrer un petit problème. Bonjour madame. Hop, ça dégage, hein. Anesthésie locale. Aucun problème. À moi les primes. Bon. Ok. Commence à devenir un petit peu compliqué. Bon, on va tous les faire un par un.
Ok. Voilà. Oh, il y a un nouveau truc au milieu du visage. Je l'avais jamais remarqué. Ok. Sorte de nouveau hitmarker, incroyable. Bon. J'ai pas de molotov, hein, évidemment, donc je vais pas pouvoir me défendre. Ça va être incroyable, hein, tout ce qui va se passer. Ça va être très rapide. Ah ouais, mais en fait, ça sort des lignes, en fait. C'est juste, ça sort des nids, en fait, quasi à l'infini. Ouais, bah, ça va pas être bien joyeux, tout ça. On va retourner sur la moto que j'ai garée ici. Et puis, on fait le plein. Une petite save. Et on est reparti. Allez, let's go. Let's go. Voilà, on peut pas le faire en mode discret, hein, je préfère vous le dire. On va bien en chier. Allez. J'ai tenté deux fois. Je vais pas vous le cacher dans l'épisode 36. Après, j'ai vite abandonné. J'ai fait comme s'il s'était rien passé. Alors. Attendez. On va faire plus intelligent. On va prendre la petite arme. Secondaire. Voilà. Wow. Très bien. Malade ou quoi, toi? Bon. Bon. Allez, peut-être de quoi faire quand même. Quelques molotovs, ça serait sympa. Il doit être par là. Ok, c'est bon, je sais où est le nid. Panique pas, mon frérot. Ok. On va faire que des allers-retours. Hein. Mais voilà mon gros problème avec ce jeu, c'est qu'en fait, les quêtes secondaires sont nulles, au feu, il faut le dire. Et quête principale, à la fin du jeu, en fait, il te demande d'aller crever une trentaine de fois sous prétexte que c'est la fin du jeu, c'est censé être difficile. Donc tu prends ta race pour quelque chose d'un peu nul à chier, parce qu'on parle quand même d'un lecteur MP3, hein. C'est vrai que sans ça, l'aventure ne peut pas continuer, évidemment. Très bien. Bon bah écoutez, on va aller save. Voilà, ça va être que ça. Je laisse ma moto ici parce que le but c'est vraiment essayer de récupérer les munitions en fait au fur et à mesure. Pas trop le choix à ce niveau là. Hop, voilà. Ça va être un enfer, hein. Préparez-vous, ça va être terrible. Je préfère vous le dire. Ok. Très bien, c'est pas mal ça. Ouais, bah pas de quoi faire un molotov quand même. Ok. Évidemment, c'est de l'autre côté. Très bien. Ok. Je repasserai. Je dois brûler tous ces nids. Mais attends, je comprends pas. Où est passée la horde? C'est un bug? C'est un bug, je crois, non? C'est un bug? Bah tant mieux. Ouais, eh? Bingo, le voilà. Et j'en profite. J'espère que ça en vaut la peine, Weaver. What? J'ai pas eu la horde? Je peux vous dire qu'ici, il y a une putain de horde et je l'ai pas eu. MDR. C'est quoi ce délire? Ça m'arrange. Ça m'arrange de ouf. Alors attendez, est-ce que si je passe là... Putain, j'ai l'objet de quête, je fais peut-être le fou là. Et vous savez quoi, on vit qu'une fois. Encore une UMM. Qu'est-ce que le Néron a laissé traîner cette fois? Ok. Non, c'est très bien. Vous voyez tous les bidons rouges? C'est parce que normalement, il y a une horde. Et je l'ai pas détruite. Je peux vous dire que je l'ai pas détruite. Parce qu'elle était bien plus nombreuse que ça. Mais quel plaisir. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Il n'y a pas de horde. Ok, bah let's go. Allez, on va apporter ce lecteur MP3 de mort. Et on va pouvoir un tout petit peu continuer. Et je sais pertinemment que la fin du jeu, je dois faire la horde ultime, hein, la plus difficile. Et c'est peut-être là qu'on s'abandonnera, hein, bah parce que si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Je vais pas perdre 8 heures de record
pour vous proposer une horde qui me laisse clairement de marbre. Ok, bah écoutez, direction la moto, on va pas chercher le diable comme on dit. Ah, quoique, il y a le truc du Nero hein, pour avoir plus de vie. Bah attendez, je vais essayer d'allumer ce Nero. On se retrouve dès que je l'allume, à tout de suite. Ah. Bidon d'essence. Ok, déjà on va mettre de l'essence. Incroyable que ce soit buggé. Oh putain, je suis tellement content. Allez. Et voilà. On va récupérer le fusible. Incroyable, hein. Ça y est. Voilà, ça dégage. Ok. Allez, le fusible. C'est fait. Un fusible. Cool. Bon. C'est incroyable ce qui se passe. Honnêtement, c'est incroyable. Le jeu a eu pitié de moi. J'ai même pas changé le niveau de difficulté, hein. Je suis toujours en normal. Aucun souci. D'ailleurs, je sais même pas si on peut changer le niveau de difficulté en cours de partie. Mais, Je sais pas. Le jeu, sûrement, a eu pitié de moi. Il a fait, écoute, frère... Enfin, c'est pas méchant, mais t'es éclaté. T'as perdu espoir en notre jeu. Tiens, on retire la horde. C'est pour, voilà, c'est pour toi, en ça fait. Doit être bon. C'est pour toi, c'est cadeau. Allez, let's go. Voilà, et en plus, j'ai mis de l'essence. Bon. Voilà. C'est verrouillé. Ouais, faut activer le moteur. J'ai compris. Oh là là, par contre, attendez. Oui. Si, c'est bon. Il a été fait. Allez, go. Merde, ça va rameuter tous les mutants à la ronde. Hop. Ah, quand même. Ok. Bon, voyons ce qu'on a là-dedans. Que dalle. Je reconnais ça. Ok, c'est bon. C'est bon. Allez, mais... Ouais, un injecteur du Nero. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se mettre un max de vie, hein. Quoique, concentration, putain, pourra quoi de votre concentration, santé, allez, la santé, allez, on vit qu'une fois, les gars. 150 de vie, c'est très très bien. Allez, ça dégage. Ça dégage. Je peux pas dormir tant que les alarmes retentissent, j'ai bien compris. Vous croyez qu'il y a autre chose pour s'améliorer encore? Là-dedans, par exemple. Casier d'armes. Kit, c'est pas mal ça. On va aller à la quête, on va rendre la quête, vous inquiétez pas. Cet épisode va... Oh, cet épisode va durer un peu plus longtemps que prévu. Ah ouais. Ouais, mais je sais pas où je tire. Est-ce que ça m'a mis dans une sauce? What? Ouais, je me tire. C'est... Ça pue la merde. Oh putain! Oh plus jamais. Ben ouais, mais maintenant il y a des coureurs. Non mais les gars, vous abusez. Heureusement qu'il n'y a plus la horde, mon pote, hein. Mais il y a des putains de coureurs maintenant. Ça gêne personne. Il y a des Usain Bolt qui désinguent et ils sont intombables. Oh, c'est terrible, hein. Terrible pour le joueur français. Bon allez, on va rendre cette quête de mort là, littéralement. Allez, nous revoici donc au camp. On va rendre le MP3 à Weaver. Et j'appréhende chaque putain d'instant à me dire quand est-ce qu'ils vont me demander de faire la horde la plus sale du jeu. Ça me fait vraiment flipper. Donc profitez de ces épisodes. Quoi qu'il arrive, on est vraiment proche de la fin. Je me suis pas spoilé, hein. Je connais pas la fin pour autant. Mais je sais qu'il va falloir taper la plus puissante des hordes. Est-ce que je serai prêt à ce moment-là?
Eh ben écoutez, on verra bien. Mais très sincèrement, s'il y avait la Horde et que je galérais autant sur celle-ci, vous n'étiez pas prêt de revoir malheureusement la suite de Days Gone. Je sais que ça faisait longtemps que vous attendiez, mais j'avais essayé deux fois. Deux fois, j'avais joué une heure et demie pour la Horde. Et à chaque fois, je mourais. Peut-être vers la fin en plus, c'était, ça se trouve, les fins de Horde à chaque fois. Mais je prenais littéralement ma part, c'était un enfer, c'était même plus drôle. Et malheureusement, aller sur un jeu où je m'amuse, entre guillemets, plus, bah, ça fait pas rêver, tu vois, ça fait pas rêver. Donc voilà, j'étais un petit peu dégoûté du jeu, malgré que ça reste très plaisant d'aller sur ce jeu. Ça reste très 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 plaisant. Allez, nous voici devant la quête, on va lui donner son putain d'MP3 et on se dirige directement pour la mission suivante. Le hasard fait bien les choses. C'est peut-être ça la magie de Noël, finalement. Hey, c'est peut-être ça. Qu'est-ce que ça a donné? C'est tout ce que j'ai trouvé. Oh, mais mette-moi un peu ce qu'on a là. Oh! Waouh! Vous êtes mon héros, mec. C'est cool. Merci. Besoin d'autre chose, Weaver? Vous avez besoin de... Ok. Hey, Caporal St. John! Vous êtes un mec bien! Vous êtes un vrai frère de cœur! Ouais! Sauf qu'à cause de toi, le let's play a failli s'arrêter là, mon pote! Ah, l'oublie jamais, ça! Allez! Pas vraiment mélomane! 98%? Oh, ça sent pas bon, ça! Oh, les 2% restants, ça sent pas bon, je te le dis, hein! Très bien, quête suivante. C'est pas ici! L'ombre de la mort. Vous n'aurez temporairement plus accès aux régions sud si vous progressez dans l'histoire. Eh ben, go! Ouais, j'ai pas lancé la suite pour rien. J'ai eu une révélation. La nuit dernière, un groupe de jeunes recrues a rejoint nos rangs et a juré allégeance. Ils sont venus de loin, du nord, du sud, de l'ouest et de l'est. S'ils sont venus ici, et maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Ils sont la voix d'autres camps. Comme celui au sud, que nous avons nettoyé. Des camps tous remplis de dégénérés, de voleurs, de toxicomanes et de meurtriers. Nous sommes menacés. Nous tous. Tous les jours. Nous vivons dans l'ombre de la mort. Mais cette ombre n'est pas causée par les mutants enragés et sanguinaires qui nous entourent. Ils font partie du grand plan de Dieu. Ils sont l'œuvre du châtiment divin! Non! Non! Ce ne sont pourtant pas les mutants qui menacent de nous anéantir. Ce sont nos semblables. Tel Noé, en son temps, nous avons bâti une arche pour sauver l'humanité, pour préserver la connaissance. Ainsi, quand les eaux se retireront, nous pourrons reconstruire. Mais aujourd'hui, à l'heure de l'apocalypse, ce n'est pas Dieu qui tirera les océans de leur berceau pour engloutir et balayer les damnés. Cette terre ne connaîtra pas le baptême de l'eau, mes frères. Non. Car en ces heures sombres, nous sommes les eaux. Nous sommes les envoyés pour baptiser le monde par le feu! Aujourd'hui, nous lançons la guerre sainte contre tous ceux qui ont déchaîné la colère de Dieu! Nous partirons au nord! Nous traquerons les dépravés! Et purifierons! Et si Saint John répondait? Je suis là! Ok, vous êtes prêts, on va lancer l'opération immédiatement. Envoyez-moi vos coordonnées. C'est fait. Quoi? Vous êtes où? Au centre de Crater Lake, sur Wizard Island, le camp de la milice. Les lance-roquettes sont désactivées? Ah merde, pas encore. Je m'en occupe. Prévenez-moi quand vous êtes prêts. Terminé. Ah! Ah, ça sent pas bon, ça. Ah, ça sent pas bon, ça. Ok. Je dois atteindre les lance-roquettes. Ils peuvent être... Les tours, ils sont forcément près des tours. Oui, t'inquiète pas. Désactivez le lance-roquette. C'est ça, circuler.
s'en prendre aux autres camps. Vous croyez que je vais devoir les tabasser tous un par un, là? Et leur mettre leur part à ces petits bâtards? Ouais, compte là-dessus. Bah alors? Bah frérot? Allez, saloperie. Ça fera l'affaire. Et ben voilà. Faut que je rejoigne Sarah. Allez! On va récupérer Sarah. Sarah, lieutenant Whittaker, à vous. Oh merde. Attends, j'arrive. Et capte peut-être pas dans la grotte, hein. Il y a de fortes chances que ça passe pas, hein. Déjà, frère, tu vas à Super U, gros. Tu captes plus? Tu crois passer à travers une montagne, toi? Vous voudriez pas aller faire le pied de grue dehors plutôt qu'ici? Ordre du colonel. Je dois vous surveiller en permanence. Il peut se les mettre où je pense. Hé, gaffe à ce que vous dites. Il y a du changement dans les radars ici. Et si vous suivez pas les ordres... Vérifie qu'il y a personne. C'est bon, la voie est libre. Okay. C'est quoi le plan? Rassemble tes affaires, on se tire. Comment tu vas faire? Les gardes sont partout. Tu me fais confiance? Pas trop. Bon, Brian. J'écoute. On se dirige vers le cône, faut pas se planter. Bien reçu, terminé. C'est qui, O'Brien? Où est-ce qu'on va? J'ai pas le temps de t'expliquer. T'as tout parce qu'on viendra pas. Ouais, je suis prête, allons-y. Ok, reste près de moi. Si on croise quelqu'un. Au cas où t'aurais pas lu mon mot. C'est pas le moment d'avoir la tête en l'air, mon petit Deacon St. John. Comment il va nous tirer de là? Je te l'ai dit, c'est grâce à O'Brien que je t'ai retrouvé. C'était le soldat du Nero cette nuit-là, la nuit où je t'ai confié à l'hélico. Le Nero? Eh merde, Weaver! Non, 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 celle-là! La bonbonne! Bon. Soldat! Regardez ce que vous faites! Un peu d'attention! La bonbonne, là, juste là! Ok, allez, allez. Plus haut! Si je vois cette bonbonne tomber... Oh, il est tellement cool! Oh, je regrette pas d'avoir souffert énormément et d'avoir fait attendre les champs pour un MP3. Oh merde, d'autres gardes. Ok, attends là. Quoi? Non, tu viens m'aider, ma sœur. Hein. Eh, viens. On va les contourner. Vas-y. Ok. Tu connais la grotte comme ta poche, toi, non? De l'hélico du Nero. Il doit venir ici? Ouais. Écoute, c'est une longue histoire. Je t'expliquerai quand on sera tranquille. Donc, leur hélico vole encore? Bon sang, Deacon, ils doivent avoir des ressources, de l'équipement. Ouais, sûrement. Écoute, tu pourras demander à O'Brien quand tu le verras. Elle va gâcher tout le plan. Bouge pas, je vais l'occuper. Ah, fais attention. Soldat, qu'est-ce que vous faites? Désolé, madame, cette zone est interdite. Comment osez-vous répondre à un officier? Vous connaissez la sanction en cas de refus d'obtempérer? On a pendu des soldats pour moi. Mais qu'est-ce que... Hop, la sanction, c'est un étranglement, hein. Pas mal. Allez! Un autre garde. Oh, fais chier, putain. Je vais voir si je peux le déloger. Ah, fais attention. Ah oui, d'accord, elle trace, elle s'en bat les couilles, ok, très bien. Pas mal. Bien joué, ma femme. Là, on y est presque. On est censé être encore mariés, n'abusons pas des bonnes choses. J'ai vraiment hâte de revoir Boozer. Tu veux venir avec moi à Los Lake? Tu penses à lui maintenant? Je croyais que tu voulais aller à Cloverdale. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai juste envie de le voir, c'est un peu comme un grand frère pour moi. C'est pas comme s'il nous restait beaucoup de famille. Enfin, oh non! Bah ouais, mais elle trace toute seule, alors j'y vais! Oh, c'est injuste! Allez, dépêche. J'ai vraiment hâte de revoir Boozer. Oui, bah ça, tu me l'as déjà dit. Tu veux venir avec moi à Los Lake? Je veux dire, je croyais que tu voulais aller à Cloverdale. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai juste envie de le voir, c'est un peu comme un grand frère pour moi. C'est pas comme s'il nous restait beaucoup de famille. Allez, régale-moi. C'est qui, là? Quoi? Soldat, par ici, s'il vous plaît. Madame, cette zone est réservée. Vous me répondez, soldat? J'étais un peu bugué, hein. Vous voyez mon grade? Rien d'étonnant. Vous savez que je peux vous envoyer en cour martiale pour insubordination. Hop. Qu'est-ce que... Au boulot. Eh, oh, oui, bon, ça va, oh, c'est qu'une patate. Viens, on est presque dehors. Ouais, ça y est. Qu'est-ce que... Hop, il prend une gifle. Ah, bah.
Ok, on continue. Allez, vas-y, dépêche-toi. On est dehors. Et comment on part? T'as un avion, ma soeur? Ah non, l'hélico, j'avais oublié. Et ma moto! J'ai fait tout ça pour rien! C'est bon, on a réussi. Et l'hélico, où il est? T'inquiète, il arrive, il va arriver. Il faut juste qu'on... Oh, messieurs, nous nous trouvons ici au sommet, d'où nous avons une vue imprenable sur... Ah, lieutenant! J'étais en train de faire visiter l'île à ce groupe de nouvelles recrues. Nous descendons à l'arche. Vous devriez nous accompagner. Messieurs, voici le lieutenant Whittaker. Elle dirige l'équipe de recherche chargée de trouver une solution qui permettrait d'empoisonner l'ennemi. Traître! Attendez, non, reculez. Évasion enfoirée. Marie, j'essaie simplement de vous dire qu'on partait en mission de ravitaillement. C'est un meurtrier et un espion. Pourquoi vous le croyez lui et pas moi? Vous me connaissez, Matt. Iron Mike, le chef de ce camp, Lost Lake. Il l'a envoyé jusqu'ici. J'ai même jamais vu ce fils de pute de la mer. Vous devez me... Cassez! Très bien. J'écoute. Je vous le répète, c'est un espion, ce mec. Matt, ce type est taré. Vous l'avez jamais vu auparavant? Lieutenant! C'est un putain de mythomane. Vous quel camp tu dis que je viens? Lost comment déjà? C'est ça? C'est la vérité! Demandez-lui de nous montrer son dos! Quoi? Hein? Montre-lui! Assez, ça suffit! Dernier avertissement. Maintenant, faisons la lumière sur cette affaire. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Capitaine, courrie. Est-ce le 8e ou 9e commandement? Je ne me souviens plus, chef. Dites-moi ce que vous avez vu, et ne mentez pas, fiston. Je le saurai. Au camp de Lost Lake, il a attaqué une femme. Mais c'est n'importe quoi! Caporal! Il était torse nu. Ce fils de pute a un tatouage qui recouvre son dos. Un truc sataniste, une espèce de clébard, un chien mort qui bouffe une chaîne ou un truc comme ça, enfin, je sais plus trop, à vrai dire. Je l'ai repoussé. Il était bourré et il s'est débattu. Qui sait ce qui se serait passé si j'étais pas intervenu? Demandez-lui de nous montrer son dos pour voir qui raconte des cracks. Désolé, colonel, mais là, on nage en plein délire. Tournez-le. Vous portez l'image de Cerber. Le molosse d'Hadès. Drôle d'ironie. Qu'on vous ait surpris alors que vous remontiez des profondeurs. Mais vous n'êtes pas Cerber, n'est-ce pas? Deacon St. John. Non. Vous vous cachez derrière un nom pieux et des tissus de mensonges. Vous êtes Judas! Quant à vous, lieutenant, quel hasard que vous ayez été là avec le drifter quand l'hélicoptère du Nero est passé! Colonel, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous étiez dans un camp du Nero qui a été infesté. Depuis combien de temps nous espionnez-vous? Depuis quand? Je vous jure que je n'ai rien fait! Mensonge! Ça ne m'étonne pas venant d'un drifter. Ça ne m'étonne pas d'être trahi par ces fourbes! Mais un officier! Colonel, c'était moi! C'était moi! Colonel, j'ai menti! Si vous regardez dans ma poche, vous trouverez un toki. Parce que je les ai appelés. Je les ai appelés, j'ai menti. J'ai menti! Menti au lieutenant. Je lui ai dit que... j'avais besoin d'aide pour inspecter la cargaison, mais... mais en réalité, j'avais besoin d'un otage. Deacon St. John, Drifter. Vous êtes là, ici le Nero. C'est O'Brien, Drifter. Désolé. Le caporal St. John n'est pas joignable pour le moment. Hé hey, qui parle là? Parfois, dans la quête de la vérité, le sang des innocents est versé. Désolé, ma chère.
Relâchez le soldat... Sarkozy, c'est ça? Ouais. Et courir. Emmenez ce drifter en cellule. Dès demain à 0700, il sera jugé. Il sera pendu. Lieutenant, assez perdu de temps. Nous avons beaucoup à faire. Venez. Dites-moi plus au sujet de ce camp de Lost Lake. Oui, monsieur. Tout ce que vous voudrez. Lieutenant! S'il vous plaît. Allez, debout. Ok, je vois pas vraiment comment je vais pouvoir m'en sortir. Ça me paraît bien, bien sombre, l'avenir. Parfait. J'ai entendu votre souffle. Je vous emmerde. Des insultes. C'est que vous n'êtes pas encore brisé. Ok. Pourquoi ? Votre tatouage. Un chien mordant ses chaînes. On voit pas ça tous les jours. J'ai fait mon enquête, avant qu'on vous relâche. Je voulais... comment dire ? Y voir plus clair. Ceci a été confisqué au lieutenant, à son arrivée au camp. Je crois qu'elle est à vous. Ouais, c'est la mienne. Et votre femme ? Ça plaît pas, Bess ? Non, c'est vrai. Et depuis le début, votre but, c'était de la retrouver? Ouais. Vous vouliez comprendre. C'est simple, en fait. À mon sens, un homme qui se saigne aux quatre veines pour retrouver sa régulière mérite mieux que de finir au bout d'une corde. Attendez une seconde, vous voulez m'aider? Alors vous êtes tous bons pour la corde. On n'y retournera pas. Le colonel a perdu la tête. La guerre sainte, le génocide, il a pété les plombs. Ok, alors c'est quoi le plan, hein? Qu'est-ce que vous comptez faire? Allez vers l'est. Ouais. Peut-être même jusqu'à Reno. Vous venez avec nous? Oh non. Vous pouvez plus y retourner, la milice non, vous abattra à vue. Je ne partirai pas sans elle. Je dois filer vers le nord. Je dois prévenir Iron Mike. Il est trop tard pour ça. Pourquoi? Ils ont dégagé le col de Santiam toute la nuit. Quoi ? Un convoi est parti tôt ce matin vers le nord. Oh, merde ! Vous êtes sûr de pas venir avec nous ? J'en suis certain. Bonne chance à vous, Deacon St. John. Oh là là, c'est grave, hein, mon gars ! J'y croyais même pas ! Quand j'ai parlé de mon passé militaire au colonel, je lui ai dit que j'en avais détesté chaque putain de minute, mais... ça aurait peut-être été plus sympa si... si j'avais servi sous les ordres de quelqu'un comme vous. Qui sait ? Il est peut-être pas trop tard. Aïe, ça va chier. Aïe, ça va chier. Là, ça me plaît. Là, ça me redonne envie. Bon, heureusement qu'on a eu le fameux bug. Oh, la vache. Mais attends, j'ai tout récupéré, là. C'est tout ce que j'avais? Attendez. J'ai déjà le... C'est quoi, ça? Quoi? C'est quoi, ça? Mais c'est nul. Ça le fout. Laisse-moi Chicago. Ok. Très bien. Très bien. Il va falloir aller où maintenant? On retourne au nord? Oh, damn! Ça va être chaud? Bon, bah voilà! Eh ben écoutez, on sait quoi faire l'épisode prochain. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous assure que, à la base, j'ai lancé l'enregistrement en mode
c'est la dernière, c'est le dernier épisode parce que le jeu m'a un peu dégoûté de sa façon de faire, mais je sais pas si c'est un bug ou autre, quoi qu'il arrive, cette fois, il n'y a pas de horde. Donc, bah écoutez, Psartek, j'appréhende, on verra quand on devra faire la dernière horde. Quoi qu'il arrive, en attendant, on continue et on se dit à bientôt pour l'épisode 38 qui devrait arriver incessamment sous peu. Prenez soin de vous, bisous tout le monde, ciao ciao.